Je suis au Friendly Bake Shop à Frankfort, dans l'État de New York, où la jeune génération et moi avons passé la nuit à nettoyer. C'est super! On dirait une autre pâtisserie. Oui, c'est vrai. Je n'ai plus du tout l'impression d'être dans notre boutique. On dirait une autre pâtisserie. Je pensais pas que notre équipement pouvait briller autant. C'est bien plus agréable pour venir travailler. Je suis confiante pour la suite. Et ce n'est que le début. Dites-moi chacun votre tour ce que vous aimeriez que je vous apprenne. J'aimerais savoir glacer un gâteau. Glacer et décorer un gâteau, d'accord. Faire des cupcakes. Des cupcakes. Oui. Ok. Et toi, Carrie? Des biscuits de Prato. Des biscuits de Prato. Ouais. S'ils sont réussis, on peut les conserver pendant 2 ou 3 semaines. C'est vrai. Aucun risque que vous les jetiez. Bon, commençons par les biscuits de Prato. Cassez-moi une douzaine d'œufs dans un bol gradué. J'ai dit un bol gradué. Non, non, arrête! Les œufs, ça se casse dans un bol gradué. Si vous voulez reprendre cette pâtisserie, vous allez devoir faire des progrès en cuisine. Elles ont grandi dans une pâtisserie. Il serait temps qu'elles apprennent des trucs. Il faut bien racler. On sort toute la pâte et on va la pétrir un peu. Buddy a décidé de nous donner un cours pour nous prouver, à nos pères et à nous, qu'on est capable de faire de la pâtisserie. Mets-les au four, Tony. On va préparer l'appareil à gâteau. Pour commencer, il nous faut 3 kilos de sucre. Pourquoi vous criez? Mais comment tu t'y prends? Il faut d'abord mettre les poids. Comment tu sauras combien ça pèse sinon? Tu vas deviner? Ça marche. 1 kilo. Ces jeunes comptent redynamiser la pâtisserie familiale. Mais s'ils veulent que leur père les prenne au sérieux, ils vont devoir apprendre à faire ce qu'on leur dit. On fait une bordure tout autour. J'appuie et je retire. C'est trop bien. Quand on regarde Buddy, ça a l'air facile de glacer des cupcakes. Le plus dur, selon moi, c'est d'être régulier. C'est joli. Compris? Oui. Alors, qui commence? J'y vais. Va tout droit et appuie. Jolene, tu dois arrêter d'appuyer plus tôt. J'ai du mal avec la poche à douille. Elle glisse. J'essaye de la tenir bien droite tout en appuyant suffisamment. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je vous l'avais dit, moi, je sers les clients. Mes sœurs aussi, mais elles savent glacer un cupcake. Mieux vaut que tu t'en tiennes aux clients, d'accord? Je vais vous montrer comment faire le cupcake le plus traditionnel de tous. C'est le plus facile à faire. Vous verrez, vous en vendrez toute la journée. Regardez bien. OK? Rien de plus simple. Vous pouvez les vendre 2 dollars. Vous pensez? Et en plus, vous pouvez les conserver dans le bac de votre frigo pendant au moins 3 jours. On n'avait jamais fait ni biscuits de Prato, ni cupcake, mais on s'en est bien sortis. Salut. Salut. Salut.